Vous prenez un petit abonnement, hein? Ouais, ouais. Bravo en tout cas. Je dis, il n'y a pas des bouchées, tout le monde me dit si, si, si. Tu as des bouchées? Non? Non, non, non. C'est bien. Oh, les Suisses. Ah, ouais, moi, je suis content. Ouais, très, très bien. Seb, confirmation que c'est un top cheval. Ouais, c'est un crack. Il a ça et depuis l'autre course, avant la course, on n'était pas trop confiant parce qu'on ne savait pas trop où on habitait. Mais là, depuis on va dire 15 jours, il est beaucoup plus réveillé. Et on sent que là, c'est plus. Bah, c'était un bon cheval, c'est un super cheval. Mais là, je pense qu'il a passé encore un palier, je crois. Je pense. C'était les ordres. Au niveau d'étude. Ouais, le devant, j'avais dit, si partant, tu vas devant. Devant, il a deux moteurs dans le ventre. Donc, c'est super. Et le critérium, bah, se profile pour le mieux. Hein. Ouais, voilà, après, il a un petit côté nerveux avant le départ, faut faire attention. Faire attention, mais je trouve que c'est un top cheval. C'est un cheval, comme je dis, il fait partie de la lignée d'Aladin que j'ai dans les box, de ces chevaux-là, quoi. De Roxane et des chevaux qui ont vraiment un gros potentiel physique. Mais quand tu te lèves le matin et que tu ouvres la porte de tes box, tu rêves ou pas en ce moment? Ouais, je rêve, je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai dans les box, donc on fait le boulot. Comme si rien n'était, et puis après, sauf que c'est des belles courses en cours, mais je fais comme si, voilà. Mais bon, fais gaffe quand même, on part pas en vacances. Franck, quand on est au sulky de Bold Eagle, est-ce qu'on sent invincible? Bah, c'est un super cheval, ouais. Et là, j'étais en sécurité tout le temps, j'étais au-dessus du lot. Non, il a gagné vraiment facilement sans que je lui demande l'impossible, donc non, c'est vraiment bien. Et t'en as drivé beaucoup, des bons chevaux dans ta carrière à cet âge-là. Et il fait quand même preuve de. C'est un cheval d'exception. On va pas y aller par quatre chemins. Bah ouais, normalement, s'il n'y arrive rien, ouais, ça pourrait faire un super cheval. Parce qu'il a la vitesse, il a la tenue, il a tout pour plaire. Quoi. C'est un champion. Ouais. J'en profite de t'avoir, Franck. On est toujours dans la catégorie des champions avec Ready Cash. Bon, t'as le cul entre deux sulky, on va dire, en ce moment, entre celui d'un mec d'Eripré et Ready Cash. Est-ce que t'as fait un choix et est-ce que c'est compliqué en ce moment pour toi? La pression des propriétaires, peut-être, également? Bah, disons que c'est jamais facile de faire un choix pour un préliminaire, surtout quand on a deux chevaux qui sont capables de faire l'arrivée. Quoi. C'est deux très bons chevaux. Maintenant, j'ai quand même... plus d'affinité avec Ready Cash puisque je l'ai quand même drivé pratiquement les trois quarts de sa carrière. J'ai connu des grands moments avec ce cheval-là. Donc ça me paraît un petit peu logique que je drive Ready Cash. Et pour le moment, Ready Cash n'est pas qualifié. Est-ce que c'est juste... Enfin, c'est piège pour toi parce que s'il ne se qualifie pas, bah, tu as la possibilité aussi de perdre un mec d'Eripré. Dans ta tête, ça ne doit pas être facile tout le temps, là. Ah, c'est sûr que là, c'est un risque, hein. Faut pas se louper. Bon, maintenant, d'après Thierry, le cheval est bien. Hein, il veut que je le mène les trois dernières préparatives. Donc, faut pas se louper. Faut prendre les 31 000 avant le 31 janvier. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais il n'y a pas de raison, le cheval est bien. Donc, après, on sait qu'il faut le bon parcours quand même. Mais le cheval est bien, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée. C'est un double challenge. Est-ce que c'est ce que t'aimes finalement, ce genre de. C'est un challenge. Bah, ça relève un petit peu le suspense. Mais non, c'est bien pour les courses aussi. C'est bien de voir un cheval comme Ready Cash revenir à la compétition. Hein, ça donne un petit peu de piment quand même aux courses. Non, c'est super. En plus, j'ai la chance d'y être associé, donc tant mieux pour moi. Pierrot Bocador, une très bonne deuxième place. Oui, surtout une très bonne course. Quand on était absent 5 mois du cirque, on a peur de faire sa rentrée et de faire trop dur et louper son numéro. Et là, on a pris un bon départ et j'ai vu tout de suite que Franck avait pris la décision d'aller devant alors que je ne pense pas que c'était forcément les ordres de l'entourage. Et de ce fait, on a pris notre place. Et après, Franck, ne voyant aucune opposition, il a fait vraiment un tempo très light. Hein, on est en 19 en pleine, on est monté gentiment. Et toi, t'es heureux? Et moi, je suis super bien parce que c'est une bonne course pour mon cheval. On avance en progression et il a marqué un tout petit temps de difficulté à intersection des pistes quand il y a eu une première attaque venant
Black d'avril, parce que j'ai été pris de vitesse. Ça, c'est le manque de compétition, l'action de jeu qui fait qu'on est dans le rythme. Après, c'est très bien saisi tous les tournants. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que sans lui déboucher les oreilles, toute la ligne droite, j'ai repris centimètre par centimètre et il reprend une frange demi-longueur sur les deux assaillants à notre extérieur. Et franchement, c'est une bonne course. Et Chouchoual a fait une bonne récup derrière. Et donc, ça s'annonce bien pour le Critérium maintenant? Oui, bon, le gagnant, en principe, on le voit, on l'a vu aujourd'hui. Hein. Je pense que Cheval, il est frais, il est avancé dans sa condition. S'il lui arrive rien, un Bold Eagle sera difficile à battre, mais les places sont bonnes à prendre. Franck, Black a été bon aujourd'hui, il a fallu dégainer un moment. Bon, ouais, c'était les ordres de courir derrière. Bon, après, Franck a pris les devants, c'était normal. Non, bon, je suis sorti au 700 parce qu'on n'avançait pas très vite, on a fait un petit travail, quoi. Est-ce qu'il t'a plu dans sa façon justement d'être accrocheur jusqu'au bout? Ah oui, parce que là, Frédéric a relâché un petit peu le travail, donc c'est un grand lymphatique, hein, il se donne pas à fond. Critérium des 3 ans, on va en faire quoi? Est-ce que vraiment Bold Eagle aujourd'hui prouve qu'il est au-dessus de la mêlée? Bah, je pense que pour l'instant, c'est vraiment le cheval à battre, hein, mais bon, les places sont bonnes à prendre. Cette boîte à images, il n'y a rien à faire. Elle nous suit partout. Ouais. Monsieur Gallorini, que nouveau votre présence sur l'hippodrome, et lorsque vous croisez Sébastien Garateau, qu'est-ce que vous lui dites? Ah ben, la présence, c'est que je suis invité pour le prix à Nick Dreux, j'ai ami de la famille depuis très longtemps, et tous les ans je suis invité, alors c'est un grand honneur. D'autre part, j'aime beaucoup Vincennes et le monde de Vincennes, et puis Garateau, ben, écoutez, un grand bravo, avoir un champion comme ça, et le tout c'est de savoir le faire durer, et il sait le faire. Tous mes vœux de réussite. Merci. Alors, vous parlez de quoi là? Parce qu'on vous a vu, on vous a vu en discussion il y a quelques instants. Vous parlez automatiquement de cheval, non? On parlait de la piste que j'avais à la maison et puis des installations, comment c'était venu et puis, voilà, tout simplement. Vous vous intéressez à l'entraînement des trotteurs, monsieur Gallorini? Ah, mais j'ai déjà trotté plusieurs fois, même chez Jean-Pierre Dubois en Italie. Mais quand j'étais gosse à Marseille, puisque moi je suis né à Marseille, je trottais déjà avec la position des trotteurs d'aujourd'hui montés. J'étais tout gosse, j'avais un voisin qui avait des trotteurs attelés. Comme il était tout seul, il me demandait « Ah Jean-Paul, l'après-midi, est-ce que tu peux venir m'aider ?» J'allais, mais comme je me faisais mal, vous pensez, alors j'avais pris la position des galopeurs, et je le battais tout le temps. Les années ont passé, et quand j'ai vu cette montre-là, j'ai dit « Bah, je la connais, mais c'était pas moi. » Et quand Sébastien Garateau, il saute, lui, parce que vous trottez, mais c'est Sébastien, lui, il saute. Tu sors ça un petit peu? Oui, le soir avec maman, oui. Non, je rigole. Non, mais je saute rien du tout, moi. Mais j'aime bien regarder les courses. J'ai été 2-3 fois au Teuil, donc c'est sympa. Oui, on t'a vu au Grand Chip. J'y vais quand c'est les belles courses aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Puis j'aime bien l'ambiance. Ça ressemble un peu au trot, l'ambiance des gens, je parle. Ouais. Le plat, c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Donc, ah, mais tout à fait, quelle que soit la discipline, le champion, on aime aller le voir. Hein. Ça, c'est... Il n'y a aucun problème. La semaine dernière, j'avais Pénélope Le Prévost chez moi. Quand vous la voyez à cheval, c'est une vraie symphonie. Hein. Elle est magique, cette fille. Ah bah, et les trotteurs, le haut niveau, pareil. Et les galopeurs, pareil. Quand vous voyez Trève, bon, on est admiratif du champion, quoi. Que ça soit animal ou humain. Mais vous allez investir quand chez Sébastien Garateau, sinon? Ben, ça ne s'est pas présenté, mais vous savez, si j'investissais comme ça, je me ferais faire quelques petites grimaces, parce que j'ai des amis chez les trotteurs. Alors, si j'ai investi chez un et pas chez l'autre, on va me dire, qu'est-ce que c'est? Infidèle. Bon, Sébastien, toi, c'est le sauteur, tu vas acheter un sauteur. J'ai commencé déjà. Ah. Ouais. Un qui a gagné à Pau, qu'on a vendu aux Anglais, puis un qui était troisième au Auteuil. Et qui passe aux ventes d'ailleurs aujourd'hui là. Donc voilà. Ah, chez qui vous les avez? Un qui était chez le père David. Ah, très bien. Et donc on a vendu. Et puis l'autre, il est à une part que j'ai acheté avec chez EGI. Ah, ben c'est très bien, vous êtes. Deux jours, on a acheté en Java. Ah, ben voilà. En Java, j'ai tapé dans la main, ok, c'est bon, c'est fait. Oui, 25%, mais bon, c'est ça. Ah, ben c'est bien, c'est bien. C'est un début, c'est un début. Ah, ben c'est bien. Voilà. Merci, monsieur. Très bien. Merci. Not sure I understand.
this road I've been eating. Not sure I understand. Not sure I understand.